Bonjour, aujourd'hui nous allons trouver la bête la plus vive. Gaspard en 1265 avec des cartouches chargées à la plus noire sur la cible. Comme c'est un truc très ancien, j'ai essayé de vous mettre des protections. On ferme la cuisse. Donc, on arme les chiens et on est prêt à tirer. Et on va se faire la cible et devant nous avec tout au devant. Hop. Et on va le et hop. Donc, comme on peut le constater, on a encore loupé. Ah, bien que. Non, il y a eu quelques plombs, mais très peu. Mais... Ah, si. Oh. On peut observer que les canons sont bien noirs, ils nécessiteront un bon nettoyage. Donc l'arme fonctionne, il n'y a pas à chier. Et quel état, qu'en est-il de la cible? Donc la cible a totalement disparu. Donc on peut dire qu'il n'y a plus de cible. Donc voici un fusil qui a à peu près à vue donné plus de 100 ans, donc ça doit être un fusil qui devait être un fusil à piston qui a été converti en fusil à, fusil à percussion centrale qui doit dater à vue de nez de 1890. Donc nous sommes en 2017, donc c'est un fusil qui a à peu près 120-130 ans quoi. Et il fonctionne très bien. Bon, c'est vrai que c'est un peu rock'n'roll. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine. Au revoir.